Le Festival du film d'histoire de Pessac a pour thème cette année la conquête du pouvoir. Une semaine, 100 films, 40 débats pour analyser les mécanismes de la conquête de l'opinion. À chaque film se joue une rencontre entre les idées d'un cinéaste et son public. Les spectateurs mesurent-ils l'engagement pris par les réalisateurs ? Oui, je vais essayer de faire un effort d'objectivité et de ne pas me laisser prendre tout de suite par le message que je suppose vouloir être transmis par le réalisateur. Enfin, ça m'intéresse quand même de voir ce que dit un réalisateur qui me paraît engagé sur ce moment de l'histoire post-soviétique. Je préfère de ne pas être engagé parce que je pense que ça veut dire dans ma vie personnelle, oui. Mais en faisant un documentaire, sauf j'ai fait un film sur les Tziganes, sur les Roms, qui était clairement engagé de ma part. Sinon, je ne veux pas manipuler les gens. Enfin, parce que j'ai grandi en Union soviétique où c'était tellement répandu la manipulation des gens que j'espère que... Moi, je pense que ce que je veux faire, c'est raconter ce que s'est passé et donner la parole à tout le monde, plus ou moins. Et après, j'ai la confiance en téléspectateurs, j'ai la confiance en mes spectateurs, qu'ils puissent faire leurs conclusions. Là, il faut dire qu'on n'est jamais objectif, j'ai ma personnalité. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est de donner le maximum d'informations aux spectateurs. Je n'ai pas la prétention, je n'aime pas les films qui partent d'un point de vue et qu'ensuite on illustre. Je remarque que tout de même beaucoup de films documentaires, et alors a fortiori les fictions, ont un point de vue et ensuite on va chercher les images pour illustrer le point de vue. Et d'ailleurs, donc, on tord forcément le coup des images quand on veut illustrer un point de vue. Moi, j'ai toujours pensé qu'au contraire, il fallait le travail d'historien et le travail de documentariste, c'était certes de raconter une histoire, mais de mettre à disposition des spectateurs le plus d'informations possibles de façon à ce que lui-même puisse se faire son avis. C'est un film engagé mais pas manipulateur. Je pense que d'abord c'est un documentaire qui n'a pas vocation à, enfin, qui a vocation à restituer, hein, comme tous les documentaires qui sont faits par le CPAD, il a vraiment vocation à retracer l'histoire, hein, puisque ça part quand même d'archives, des archives de le CPAD. Donc c'est difficile de manipuler des images d'archives. Connaissant la sensibilité maintenant de Rothman, il va parler de deux fauves du même bord politique. Donc je ne pense pas que ce soit adroit de sa part de prendre un point de vue politique là-dessus. Je pense qu'il va être relativement neutre, mais qu'il va essayer de décortiquer justement la prise de pouvoir ou la prédominance de Sarkozy par rapport à l'autre. Je m'attends à ça. Voilà. Mais s'il prend parti, je serais peut-être un peu gêné. L'objectivité, ça n'existe pas. Moi, j'ai pas envie de faire des documentaires qui soient des chronologies en images, comme ça, on dit c'est objectif, qui n'ont aucune chair, aucune densité. Bon, donc il faut, dans un documentaire, il faut émouvoir, il faut faire réfléchir, il faut provoquer, il faut faire réagir, etc. Et ça, le fait que si on sort d'une espèce de platitude objective qui n'existe pas, d'ailleurs, il n'y a pas encore plus en histoire. Donc je sais bien que le même fait peut être raconté par trois témoins différents, que si vous faites raconter la libération de Paris par un FFI et par un soldat de la Wehrmacht, ce ne sera pas le même son de cloche. Quand on choisit de faire un film, je pense que dans d'autres métiers, c'est pareil, on se sent des responsabilités, on est responsable à partir du moment où on décide d'aborder un sujet, de l'écrire, de le mettre en scène et de le faire voir. Donc, qu'on le veuille ou non, on est responsable de ce qui se passe, on est responsable de ce qu'on met en image, on est responsable de ce qu'on fait dire aux acteurs. Dans mon cas, je vais beaucoup plus loin puisque, en tant que comédien, je joue un des rôles principaux du film. Donc, je ne me cache pas derrière mes personnages. Je m'engage vraiment à fond. Et donc, je m'expose et je m'engage. Un film engagé peut avoir une influence. Oui. Mais même cet engagement filmique a ses limites. Je veux dire que si déjà, quelque part en nous, on n'a pas... une graine d'engagement et une graine d'opinion politique, je doute que le film puisse faire changer complètement d'avis quelqu'un. L'engagement, fui ou assumé, implique des choix. De la mise en scène aux commentaires,
Nombreux sont les mécanismes de construction d'un film. Comment l'image est-elle utilisée par le réalisateur dans le développement de ses idées ? Il était venu saluer, en compagnie du ministre des Affaires étrangères, M. Grobico. Après la réception officielle ponctuée de 21 coups de canon, l'accueil populaire va permettre au général de Gaulle de prendre avec... Ce qui m'intéresse, c'est à la fois d'illustrer le propos, mais en même temps de montrer à travers ces montages, et souvent en gardant d'ailleurs ce que je fais, les commentaires d'époque, de remettre dans le contexte de l'époque. Parce que là, on entame, à mon avis, l'autre partie qui est aujourd'hui extrêmement dangereuse dans beaucoup de films, de fiction, de documentaires, c'est l'anachronisme. C'est-à-dire de juger avec nos yeux d'aujourd'hui, nos grilles de lecture aujourd'hui, notre savoir aujourd'hui, les droits qu'on a acquis aujourd'hui, des époques dans lesquelles il n'y avait pas le même savoir, il n'y avait pas les mêmes droits, il n'y avait pas la même organisation sociale. Et donc, remontrer un documentaire d'époque avec le commentaire de l'époque, ça permet de montrer un peu quelles étaient les mentalités de l'époque et par conséquent, de mieux resituer ce que peuvent dire les témoins. Le jeu de chaises musicales à table, il y avait 6 sources d'archives qu'on a montées ensemble. Parce que nous, on voulait raconter cette histoire. Les caméramens qui étaient sur place, ils étaient tellement perdus que chacun tournait un petit truc. Donc, aucun bout d'archives ne racontait pas cette histoire. C'est juste, on a fait un travail, enfin, c'est pas moi, c'est le documentaliste, bien sûr. Et le monteur. Parce que je n'arrêtais pas à lui dire, oui, mais attends, mais il s'arrête au milieu, mais où ça? Il me dit, ok, je te fais tout. Donc, il nous a donné 6 séquences de 6 journaux télévisés des chaînes différentes. Et après, c'est le monteur qui a pris un plaisir fou pour remonter. C'était comme 6 prises de fiction. Il a remonté. Et le fait qu'il l'a arrêté là où il a arrêté, qu'on pouvait continuer. Mais si on continue, ça perd la force. Voilà, ça, c'est un vrai montage d'archives. Je parlais de la Libération de Paris. Il y a un film qui existe où on voit successivement la version vue des côtés anglais, du côté français, du côté allemand, etc. Avec les mêmes images et on voit une autre histoire à chaque fois. Bon, donc le pouvoir mensonger de l'image est absolument énorme. D'autant plus que plus il y a d'images, et aujourd'hui c'est le robinet à images en fait, avec les chaînes, etc. Plus cette facilité est possible. Donc il faut lutter contre ça. Dans mes films, j'essaye de jamais mettre des images d'illustration, c'est-à-dire qui illustrent un propos, des images comme ça. Il faut que toutes les images aient un sens, il faut qu'elles soient sourcées. C'est-à-dire que si on est le 22... août 68 à Prague, ça ne soit pas une image qui a été tournée 8 jours plus tard. Le pouvoir des cinéastes, c'est quand même de montrer une vérité, après selon les perspectives de la personne qui les traite, hein, mais une vérité et les proposer et les ouvrir à un public vaste, comme si on avait un haut-parleur et qu'on se baladait d'un pays à un autre avec en racontant énormément de choses, mais en l'espace d'une heure et demie.